Monsters Abundance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 sur Belgique Profonde. Je suis en compagnie de Jeannot. Salut tout le monde, salut à toi. De JB. Salut Val et salut à tous. Et puis de l'homme qui est sur la cabine de son tracteur, Franck. Salut à toi, salut tout le monde. Du coup aujourd'hui, épandage de fumier pour nos deux compères et un nettoyage des animaux. Bah moi je vais y aller sans plus attendre. Ah bah parfait, je suis dans le tracteur. Oula, oula, oula. Ça commence. Dézoom, s'il te plaît. Hop. C'est quand même marrant, ça, que les vaches, elles bouffent d'abord la ration mélangée et après, elles te bouffent seulement l'ensilage. Meilleur. C'est meilleur. Putain, mais il va faire nuit ou quoi? Non, non, il est 8h, il est 8h16, hein, j'ai exprès accéléré le temps. Ouais, mais c'est que c'est nuageux, c'est pour ça. Là, tu crois que je suis bientôt plein alors que je suis qu'à 59%. Sérieux? Ouais. Ah ouais, non, mais ils prennent beaucoup, ceux-là. Et ils montent vachement haut niveau texture, ça c'est bien. J'ai l'impression que t'es déjà presque pompe, là. Ouais, pareil, tu vois, d'un coup, je regarde... What? What? Oups, putain, la cabri. Fait cabri. Il va le baigner. Super, moi j'ai levé le godet, je suis resté accroché dans le sol. C'est un merlot, hein. Pourquoi t'as rempli, là? Contre les merlots, ouais. C'est bien merlot, mais c'est trop léger. Bon, enfin, en même temps, tu prends un godet, tu mets 4500, tu le lèves à n'importe quelle hauteur, avec n'importe quel manitou, tu bascules. Surtout que je vais pas doucement, quoi. Ouais, en plus. Pas le temps d'aller doucement. Ouais, pas le temps, ouais. Ça fait un tas de tub au milieu, t'as vu? Ça va qu'au milieu. Ça c'est du JB ça. Ah non, ça y est, ça vient. T'as combien là? 82. Putain. Ah mais tu vas en charger des godets. Ouais, on aurait dû prendre le godet du Volvo et des gros. T'aurais dû prendre le Caterpillar. J'en mettais qu'un. Ouais, hein, c'était terminé. Le Caterpillar, ouais, un seul c'est bon. Alors ça c'est chiant le message. Les stabilisateurs. Ils veulent bénir. Hein. Mais ça se peut qu'il le vienne. Ouais, ouais, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il fait, Franck, dans son tracteur, mais ça bouge. Ça ouais, mais je crois, Europa-Park, ce grand 8. Bah, c'est pas ce que tu fais, mon gars, mais je te jure, je t'ai chargé, t'aurais dû voir la cabine comme elle pousse. Mais ouais, mais grave, ouais, mais tout l'ensemble, il est là, bon. Sur la mer, tu vois, pleine houle. Vomis pas, hein. Oula, 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 oula. Ouais, t'inquiète, ça le fait. Ouais, ça le fait, ouais. Combien? C'est bon. C'est bon, dégage. Je me casse, ça c'est bon. Ça c'est fait. Hop. On va charger. Mais j'aurais fini de charger Jeannot, il va revenir, Franck. Ouais. Pas sûr, parce que ça vide pas si vite que ça. Hein. Ouais, ça vide pas trop vite, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Enfin, ça vide quand même. Hein. Je viens de capter un truc. C'est que sur le 6000, je me disais merde, elle tient comment ma fourche? J'avais pas foutu le chargeur dessus, le bâti. Bravo. Ça faisait un peu con. Mais tu sais, quand tu quittes du serveur, tu reviens, ça s'enlève. Oh, vous avez moissonné avec le choupette, je trouve. C'est possible, pourquoi? Ah, c'est hardcore à voir ce que t'es pour. Bon, tu fais ça un instant. Le moped show. T'es fauché avec le moped show. Tu fais quel le 22, là? Ouais. Ouais, bah, oh, j'irai faire le 21. Putain de benne de merde. Putain, c'est remorque à la con où il faut décharger exactement au bon endroit, sinon ça va pas dedans, quoi. Putain, t'es 17 km au-dessus de la remorque, mais non, tu décharges pas dedans, quoi. Vivement qu'il y ait d'autres bennes qui sortent, celle-là, je les supprime, je veux plus voir. Le broyage, plus le fumier, il y aura la dose, hein. Tu peux pas baisser tes risées sur celui-là? Si, je crois. Pourquoi tu veux que je la baisse?
Bah en fait je pourrais baigner plus vite dans ta remorque. Tu sais je peux pas incliner à fond. Non je t'amène la benne. Après moi. Bah... Je crois pas. Hein. C'est pas X. Non non X c'est déployer le l'épandeur. Hein. Oh mais... Voilà. Ok. Oh, c'est vrai, je m'en sers très rarement de cela. Moi, je me sers surtout du deux essieux là, de Crosetto et puis de Le Boost. Ouais, Le Boost, il va bien. Le Boost, je crois que je l'ai jamais essayé. Ah, il est pas exagéré, rien, il est bien fait. Ouais. Même le Crosetto, il va pas mal, moi, je trouve. Ouais. Mais c'est pas un reskiné, le Crosetto? Je crois pas, non. Ce qui me semble que je l'avais vu. Je suis pas sûr de ce que je te dis. Mais pas il me semble. Ça change. Bon, bah, c'est vrai que ceux que vous avez, je m'en suis pas non plus servi des masses. Hein. Bah, ça se voit, son poisson. Faut dire qu'aussi, on fait pas du fumier tous les jours. Quoi. Ouais, aussi. C'est même un événement quand on fait du fumier. Non mais c'est vrai quand tu regardes bien. Ouais non mais t'as tout à fait raison. Et faut, déjà avoir temps. Mal, faut déjà avoir pas mal de parties déjà pour un beau tas de fumier. Voilà, puis la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu moissonnes, t'en cils, tu sèmes. Combien ton temps de fumier là? Il y a beaucoup. Hein. Parce qu'il descend pas. Parce que je viens de le voir descendre, c'est pour ça que bah, je te c'est parce qu'on ne l'avait pas vidé la dernière fois, on avait vidé celui aux vaches. C'est pas sur cette partie où Aurel il a émis je sais pas combien de fumée là. Non c'est pas sur celle-là. Pas sur putain. Heureusement. Il y avait 1 million et quelques tonnes. Non c'est pas ça. Il y avait autant de patates même. Ouais ouais bah des patates. Ouais il avait... Enfin, il avait pas fait dans la dentelle. Mm. Ouais il était pas allé qu'à moitié quoi. Bon en même temps c'est Aurel ça m'étonne pas. Là t'as d'abord fait tout le champ. Non non. Non bah, je sais pas je te vois en haut. Ouais, mais je suis allé déjà de coin là-bas. D'accord. Ah bah c'est bon, j'ai déjà fini de curer chez les vaches. Ça descend quand même, mine de rien. Mine de crayon. Merci pour votre soutien. On est à fond, heureusement que je suis là, parce que... Ah ouais, bah... Pour remonter... Il te laisserait dans la misère. Ouais. Pour remonter le niveau, c'est ça? Bah ouais. Regarde. Ouais. Bon, bah, comme moi, ouais, parce que tu prends trop bas en fait. Non, moi, tu devrais pouvoir racler le sol avec ça. Hop. Tac. Mais t'es pas en couple, Jean-Luc sortir... Hein? T'es pas en couple, là? Ouais, je suis à 90% là. Ok. Ce serait bien, là, pour curer les veaux et les cochons, là. C'est un petit rabot, là. Bah, je l'ai, moi, le rabot. Je l'ai aussi, mais je l'ai pas mis sur le serveur, je crois. C'est pas mal, là. Hein. T'es pas plein? 96. Putain, je mets 6% à chaque godet, quoi. Putain, mais le fumier, il monte tous ces mois. Bah oui, mais il doit vider quelque part, non? Bah, j'ai vidé aux vaches, là. En fait, quand tu vides aux vaches, c'est un montant qui monte. Ouais. Je te jure que c'est vrai. C'est bah ouais, parce que... Putain, il y a le temps, il monte. Qu'est-ce qu'il se passe? Bah ouais, parce qu'ils ont pas fait... ils ont pas pu dissocier les deux, en fait. Ouais, je pense. Il y a eu le même souci. Hop! C'est bon. Ok, Jeannot. Pas de talent. Bon, bah, ça arrive. Attention, je pars. Ouais, je suis vide. Putain, il arrive déjà, quoi. Ouais, il est bien chargé comme ça, l'épandeur. Qu'est-ce que j'ai fait de la mélangeuse? Attends voir. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de cette. Ouais, ce pont. Bah elle est derrière toi la mélangeuse. Non non ah, pas celle-là là. Ah l'autre. Ouais. Oh, elle est là-bas. Dans le hangar de l'autre côté de la route. Vous avez acheté quelque chose non? Non. Non. Putain, ah c'est qui le con qui a laissé traîner la remorque? Bon ça passe. C'est bon. Hop. La Francky.
t'as dû en faire un bon bout quand même de la parcelle 22 de là. La moitié. Ouais, tu... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis payé un coup, là. Ouais, mais là-bas, à l'arrivée de la... Juste à côté du silo d'ensilage. Ouais, mais t'as... pareil, moi, j'ai eu deux coups de lag en passant vers la bord. Hop. Ouais, bah, je vais te laisser le finir, ton champ, là. Ouais, commence l'autre. Ah bah si, t'avais raison, X, c'est pour les riddles. Ah bah, tu vois, je savais bien que tu pouvais. Ah, comme je m'en suis pour servir, tu vois. Merci, Franck. Très... très agréable de ta part. Il va vider plus vite. Oh, j'ai eu coup de lag. Oh, mais ça continue, ça va faire nuit, les gars. Ouais, j'avoue. Encore accès d'anarchie, là, tu sais. Ouais, c'est nuageux. Putain, c'est vrai que c'est pas évident. Oh, avec, putain, il m'énerve ce truc là. Oh. Une loading impossible. Avec le broyage, je vois pas rien. Putain, ah ouais. Il peut se mettre dans l'autre sens là, putain de merde. C'est quoi ce mode, Jano, là? De quoi? Que quand tu veux décharger, qui te dit qu'il faut que tu changes de côté, là. Bah, c'est le... Toggle tip side. Voilà. Ah bah, ce truc-là, je vais le supprimer à vitesse grand R, putain. Mais je sais plus quel mode qui te le met automatiquement. Ouais, quand... c'est quand tu décharges une map. Mais je sais plus laquelle. Non, c'est avec les crocetto, t'as les crocetto, là. Crocetto, ouais. Ouais. C'est avec les crocetto. Ah bah, mais il y a aussi une map qui te le fouille, qui te le fout. Ah bon? Ouais, ouais. Je sais plus laquelle, mais il y a aussi une map qui te le fout, ouais, ouais. Bon, c'est que j'ai déjà viré 2-3 fois, tu. Oh non, mais cette saloperie, je vais le virer parce que c'est casse-couille. Sans déconner, c'est vraiment casse-couille, quoi. Ça, c'est vrai, c'est chiant, ce machin, hein, tu vois pas où tu vas, là. Hop. Eh oh, Marcel, monte. Voilà. Bah, du coup, après, je vais m'occuper de remplir la mélangeuse de nouveau. Il descend le temps, là. Ouais. Ouais, il n'en met pas de l'autre côté. Ouais. Bah, il descend de l'autre côté aussi, donc je te rassure. Bah, heureusement. C'est l'infini, C'est bon, donc, tant qu'il y a encore deux roues qui touchent le sol, c'est que c'est bon. Oh, la vache. Dis, mon gars, quand je te charge, comment tu te bascules? C'est ce que moi j'aimerais comme mode en Ben, putain. Non, vas-y. Une internationale. Ah ouais. Les 14 stones, tu vois. 14 stones. Ouais, exact. Ouais. Putain, que personne qui a jamais fait ça, même sur le 13. Pourtant, c'est vachement connu. Hein. Ouais. Le costaud, c'est belle là, putain. Bah, que 14 stones, mais. C'est même un peu. Les internationales, les Ben, c'est un peu le même principe que les Brimont. Ouais, c'est, ouais, voilà, ouais. Ouais, les Brimont, c'est des bennes increvables, ça. Putain, il me manque plus que ça, tu vois. Il me manque plus que ça en case et c'est bon. Eh ouais, putain. Et un Manitou. Ouais, ça, la rigueur. Un télescopique case. Ça, la rigueur, je m'en fous, parce que la rigueur, je passe quand même souvent sur des tracteurs chargés. Ouais, ouais. Après, moi, ce que j'aimerais bien au cas, c'est un... J'en ai vu un ce matin, un MXM-155, j'ai vu, là. Ouais. Sacré bestiaux, ça aussi. Ouais, bah c'est clair. Oh, putain, je suis nouveau du mauvais côté. C'est pas toi, Franck, un case, un 51... C'est un 51-30. C'est un 51-30? Ouais. Mais il est bien modé ou pas? Ben en fait c'est une conversion. Ouais. Ouais, c'est un peu conversion. Bon, après t'as l'animation du bras et tout et ouais, les lycées. Et il y a eu la version 2 qui est lavable aussi. Washable. Washable. Ouais, moi je crois que je l'avais le tout premier. Bon, l'intérieur était pas top, mais non, c'est bien. Mais il marchait bien. Ouais. Je
peux mettre le chargeur aussi. Je me rappelle plus si c'est sur le 13 ou sur le 11 qu'il y en avait un déjà. Et sur le 13, il était bien. Mais c'est la conversion, c'est celui-là, mais t'es mieux sur le 13, tu vois, intérieurement. C'est bon. Ouais, c'est bon, à mon avis, il y a classe qui va pas tarder. Ouais, je suis en train de le finir. Hein. Oh, il est en train de le finir. Ah ouais, c'est bon. Ah. Aïe. Allez, mec, je suis en train de les perdre. Ouais, je crois complet là. Yep. Allez, remplis-moi de l'herbe. Ah, le Jeannot. Oula. Oula, le pont, c'est... oula. Ah non, mais je sais que j'ai eu un coup de lac juste avant. Je me voyais bien dans l'eau, là. Moi, j'aurais rien dit, t'inquiète. Ah, moi non plus, j'aurais mais rien. Moi, je l'aurais vu de là où je suis. Ah non, mais juste j'allais attaquer à prendre le pont, une accélération, mon gars. J'ai dit, ça y est, j'y vais, là. Je crois qu'il n'y aura pas assez de fumier pour prendre tous les champs. Alors attends, maintenant de quel côté qui va me faire chier pour décharger? Je m'attends au pire. Non, tu dis bah, toujours t'es... du côté où t'es pas bon. Bah voilà, voilà. Ah non, t'as pas la rampe de l'autre côté. Attends. De toute façon, sur les mélangeuses, je crois bien que tu peux vider que d'un côté, non? Des deux, tu peux. Non, ah oui, sur celle-là, mais sur l'autre, sur celle que t'accroches au tracteur, je crois bien qu'il n'y a qu'un côté, non? Mais il me semble, je veux pas dire de conneries, mais il me semble merde. Que... Gaffe, il y a un bâtiment. Bah ouais, non, mais je regardais, ouais, je me demandais où c'est qu'il allait avec son... Où c'est qu'il allait avec son... Avec son autre mélangeuse. Sa mélangeuse. Ah ouais, je me demandais pourquoi il vidait dans le truc, mais... Bon, parce que la mélangeuse, il lui faut... Il lui faut à bouffer, hein. Ouais, comme ça, ça te va? Ouais. Ouais, le ouais. Bien, il est fini, Franck. Hein. Fini, fini? Ouais. Il ouais, y a deux, peut-être un ou deux petits trous, comme tu vois pas grand-chose. Ouais, ouais, vois ça, ouais. J'étais en train de penser que... Parce que moi, je vais le finir, là, et je serai encore pas mal plein. Ouais. Bah, après, de ton côté, il y a plus rien. Il hein. Y a des petits champs après à faire. Quoi, le 6, 7, 9 là c'est... Ouais mais ceux-là vous les faites avec un épandeur, je pense. Allez. Il y a le 8. Ça va... Il y a plus grand chose. Hein, hein. Bah écure aussi chez les veaux. Et les cochons. J'ai pas pensé à le faire maintenant. Il y a combien chez eux là? Je vais te dire ça. Ah il y a quand même 17 281 chez les deux. Hein. Donc deux fois 17 000. Hein. Ouais. Ça te fait un bon épandeur et demi quand même. Ouais. Le 34 000. Quoi. Voilà. Un peu plus quoi. Et que moi et les maths ça fait deux, je préférais pas dire de conneries. Oh, oh. Oh ouais, ouais, olé, tolo. Ouais, j'ai vu ça, il a failli le basculer le dernier. Bah non, c'est qu'il s'ouvrait le godet, mais c'est le cul qui s'ouvre. Mais donc, ça dit c'est pareil, 6, 7, elle est statique la vache, non? Où ça? Ah non, elle bouge. Eh hey, mais c'est accélère sur... Tiens sur la vallée de l'Orge ça faisait pareil c'est les vaches. Elles arrivaient vers le... Tu sais où il y a la machine à betterave là. Ouais. Et bah pareil une vache elle restait statique. Mais c'est chiant ça, je comprends pas d'où ça vient. Bon ça je peux pas te le dire. Je connais pas bien grand chose. Et putain. Chaque fois que je m'approche du mur le cuisse là. Ouais, il me semblait bien qu'on pouvait les déplier parce que on avait épandu la dernière. Enfin, il y a un moment déjà, Jeannot, si tu te souviens bien. T'avais ouais, épandu avec moi, je crois. Ouais, mais moi je les enlevais pas. C'est qui la dernière fois qui a voulu remplir un tracteur avec le petit Bobcat? C'est Aurel. Il voulait faire quoi? Il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait mettre dedans?
sais plus. Du grain, non ? Bon, ah oui, pour tester le... Tu sais, pour tester sur ta map... qu'est-ce qu'il lui a demandé de tester ? Le stockage, non ? En haut ? Ah, je sais plus. Ah, pour emmener pour les serres ? Ah oui, c'est ça, ouais. Parce que t'as pas mis de silo à grain, là-haut, tu sais ? Ouais. Et Prim Ben, il voulait avec le petit JCB, il voulait remplir. Puis il y a JB qui lui dit mais tu crois que tu vas y arriver? Tu m'étonnes. J'aurais dû me taire. Ah bah ouais, ça aurait été marrant. Il l'aurait fait. Hein. Il aurait tout mis à côté. Mais le 6-7, ils sont déjà déchaumés. Enfin moitié. Ouais, pas grave, pend dessus. Ah mais quand tu vas semer, ça va pas disparaître si. Si, si. Le bug a été résolu. Moi et JB, ouais. On sait toujours pas de quoi ça vient, mais... Là, je vois même pas la texture. Ah, mais non, mais ils sont déjà pulvérisés, en fait, à moitié. Mais c'est pas JB qui était là tout à l'heure, hein. Non, il était au 11, JB, je crois. Ouais, mais là, il y a déjà du truc qui a été fait. Moi, j'irai faire le 31, après. Je suis à 70%. Bizarre, je sais pas, ces champs ils ont été bossés tous à moitié, je sais pas quoi. Ouais, mais ça, c'est ce que c'est. C'est quelqu'un a dû mettre un ouvrier. Oula, oula, ouh. Donc ça se peut dans 95% des cas que c'est Aurel. Et tant qu'il y a encore deux roues qui touchent, c'est bon. Ouais, mais enfin là, la première fois c'était une. C'était limite. Ouais. Mais ça cligne pas plus que ça, ce godet là. Putain, mais le mec il met des ouvriers quoi. Mais putain, mais pareil, il est fait le 31. Ouais, il est fait. Mais oui, il a été pulvérisé. Bah, ça, tu vois, il a été déchaumé. Pas déchaumé, mais il a été pulvérisé. C'est qu'il est semé, non. Bah, ça je sais pas, j'ai pas regardé sur. Bah non, il est pas semé, puisque sur quand tu regardes. Bah non, mais il est déchaumé, pulvérisé. Ah bah alors, on le met où le fumier? Dans le cul, il y a le 34 autrement. Je suis au 22% dans la benne. Bah ah. Sinon, le fumier il reste dans les épandeurs et c'est tout en attendant. Ah, dans le cul. On sait que t'aimes 94. Bien dans le cul. Et la parcelle 38, tout ça, il y a quoi dedans? Derrière la bioserre. Pas te dire. Ben, parcelle 38. Ouais. La 31, il y a rien, mais je crois qu'elle a été déjà faite, celle-là pulvérisée, je crois. La 38, il y a du blé, je crois, ou de l'orge. Trente-huit, c'est de l'orge. Bon, la mélangeuse, elle est opérationnelle. Alors, il y a 34, le 15, le 12. Le 22, 21, 6, 7, 9, 8, qui sont pas semés, le 31. Après, est-ce qu'ils ont été déchemés, j'en sais rien. T'as le 12 qui est en haut, là, je sais pas si t'es allé le voir. 6, 7, 8, j'ai fait, 31. Le 9, tu l'as fait ? Le 9, j'ai pas fait. Il est à côté du 7. Bah, je suis à côté, là. Ouais. Après, ouais, il y a le 12 qui est carrément en haut, après, t'as le 34 et le 15. Et le 35, y a quoi ? Ouais, c'est mais bon, c'est quoi je vais voir le 34 et 15, tu vas voir le 12. Moi je suis au 36 là, je finis les fourrières. Moi que t'es pas plein. Si si, je suis plein. Bah il y a 34, 15, 9, 7, 6, 8 et 12. Mais les 6, 7, 8, 9 là, tout ça c'est bon. Attends, je vais voir sur le 12 moi. J'y vais. Bah le 15 il est fait attends, en j'y fumier. Vais ah bah ouais. Le 15 est fait en fumier. Là, il y a le 36 que je suis en train de terminer de semer, là. Bah, viens pas au 12. D'accord. Il y a déjà du fumier, tu sais. Ah bon. Bon, bah, je vais le ranger, le machin. Ouais, range-le. Ça sera mieux, je crois. Mais il y a ce mort qui traîne. Ouais, parce qu'il y avait l'ouvrier qui tournait avant. Bon, bah... Bah, il y a aussi un ce mort sur le 34. Sur le 34 pas... Ouais. Il y avait un deuxième roumain. Ah non, pas sur le 34. C'est le 36. Bon, ben. Ah, bah, le 34, c'est du maïs. C'est le 35. Maïs à côté, Valérie. Hop.
Il n'y a plus qu'à les moissonner. Hein. Ah bah non. Attends, moi je suis encore en train de semer. Déchemer les champs qu'on vient de faire, non? Ouais, on peut cultiver. Ouais. Ouais, ça serait pas mal. Moi je termine de semer mon champ. Il y a quoi à la ferme là? Il n'y a rien? En déchaumeur, je crois qu'il y a. Ouais, tu peux venir sur le 34 si tu veux. En cultivateur, ça le tire. Viens sur le 34, viens. Hein? Viens sur le 34. Oh putain, j'ai enlevé les pandores. Mm-hmm. C'est vrai? Ouais. Putain, il se fout pas de ma gueule lui. Mais t'arrives pas à le faire entièrement, hein, Franck? Non. Des merdes, tu chies un coup au milieu du champ. C'est la merde. Tapi, il attend bien que je décroche et que je parte. Hein. Ah, attends que j'arrive aussi. Bah putain, mais ça fait une heure qu'il me dit que je suis au 34. Une heure. J'ai vu dans ta vidéo, Jeannot, là, Multi. Putain, Aurel, il en tenait nouveau une couche. Hein. Il a ramassé le pauvre. Oh, il m'a tué quand il a fait ses 37 manœuvres derrière en sileuse. Et Jeannot qui en pouvait plus. Bah. Oh putain, mais celui-là, c'est un champion du monde. Oh, bah, apparemment, il y avait des coups de lag. Mais bon, après, je sais d'où ça venait. Quoi. Parce que ça venait sûrement de la masse qui était sous le sol, ouais. Ouais. J'aurais dû la vendre, mais. Avant de commencer. C'est le prix de Jeanne. Riez, les garçons. Le champ 10, il n'a pas été fertilisé. Et normalement, si ça. Si je m'en souviens bien, je crois que c'est du maïs. Bon, bah, je joue au 34, les gars. Si je me souviens bien, c'est du maïs. Ouais, non. Bah, moi, je ramène le 2 de Saleté avec son semoir. Bah, moi, je rends du 34. Moi, je monte à l'ETA. Et après, je ramène le John Deere aussi, qui a le semoir. Parce qu'en plus, le 2, il n'a plus rien en semence. Moi je monte à l'ETA là avec. Ah, je vais semer le 31 moi, tiens. Comme ça, avant de moissonner, on sème vite tous les champs et on sera tranquille après. Ah merde, c'est le 34, oh, putain. Quand t'es parti où? Mais il est où là? C'est bon, ça va se rattraper. J'ai plus l'habitude de jouer ce genre cette carte là. Ah c'est clair. Déboussolé maintenant. Elle est trop petite. On se repère. Elle est trop petite. On se repère plus, elle est trop petite. Ça m'aurait pas étonné qu'il me sorte ça. Bon alors. Voilà. Il y a des cultivateurs là-dedans. Ah nickel. Il y a pas de cultivateur. Si, il y en a un, non? Il y a 12 mètres. Bah oui, il y a le 12 mètres, ouais. Pour moi, t'as la charrue si tu veux. Ah ouais, tiens, je peux très bien un coup de labour. Pareil, il y en a deux. Charrue, j'en ai revendu une, je crois. Bah sinon, rachetez-en une. Merde, elle monte pas, là. Tu me diras, Jeannot, quand t'as fini le 34. Ah non, mais tu vois pas, je suis vers toi. Eh bon Dieu, pourquoi il veut pas monter, là, cette espèce de con? Mais qu'est-ce qu'il bloque, là? Mais il y a un trou, oh. Oh, putain. Ah bah d'accord. J'ai jamais vu ça. Quoi, t'es bloqué là? Non, je suis débloqué, mais il y a un putain de trou là dans l'herbe là. Attends, je vais voir ça, j'ai jamais vu moi. Là. Mais il est où là? Là. Merde. Là, ici là. Et le trou là? Oh putain, ouais. Pour ça, j'arrivais pas à avancer, je dis putain, je passais le long. T'es où là? T'es près de la rivière? Putain, vas-y, switch. Switch dans mon 8000, je suis juste à côté. Regarde juste là. Regarde. Yeah. C'est admin, JB? Ouais. Où ça? Là, je suis là. Oh la vache! C'est un cratère le bordel. C'est pour ça que je dis putain, mais j'avance plus, moi. Non, je suis pas admin, mais je veux y être. Si tu peux m'acheter une charrue, me la rapatrier, s'il te plaît. Non mais et puis tu veux qu'on laboure aussi là? Ouais. Ça c'était sûr qu'il allait dire ça. Non mais je suis habitué à avoir des ouvriers moi. Ah ouais c'est vrai que lui il fait que donner des ordres. Course play hein. La légende de course play. C'est bon? Merci.
Putain, mais c'est qui a pulvérisé à moitié le champ là? Je sais pas. Je sais pas parce c'est que ça même... c'est l'engrais. Et je sais pas qui c'est qui a épandu de l'engrais au pulvérisé. C'est sur quel? Le 31. Mais c'est moi qui mis le reste de mon épandeur. Ou non mais sur le 36 là. Ben. Qui est en face du 34? Ah c'est... ah non 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 non. Ouais. Oui, non, mais là, oui, je sais bien que c'est le tour sur le 34, mais... On va sur quelle parcelle? Au labour? Bah... Le 22, non? Ouais, parce que moi, je suis sur la 31 en train de semer, moi, là. Parce qu'elle est prête. On va sur la 22, non? Ouais, mais lui, il part de l'ETA, quoi. Ouais. Oh, putain, il est fini, hein. Il aime pas ça, hein. De quoi? Il est fini le 230, là. C'est combien de corps? Une 5. Mais t'as pas de masse peut-être lui? Ouais. Si si. Y'a Jeanne? Ouais. J'étais obligé de la refaire parce que la première fois qu'il l'a sorti, vous avez pas réagi. Ouais. Mais même s'il me la répéterait 30 fois, je réagis plus, Jeanneau. Oula, oula. Eh attends, pourquoi y'a une charrue là? Y'a une charrue où là? Où? Non mais attends. Il y a une charrue là. Non mais qui c'est qui est au 31 côté moi là? Moi je suis là moi. Bah, je sais. Viens voir, viens voir. Il y a une charrue devant la laitée. Ah mais celle-là je sais pourquoi elle est là. Ah bon? Parce que quand j'ai joué la dernière fois avec Aurel, je lui ai posé la charrue là, j'ai dit ramène-la moi à l'ETA et moi j'avais pris son outil. Il est venu, il m'a déposé l'outil mais il est reparti sans la charrue. D'accord. Oui mais impossible. Impossible quoi? Il part en travers. Ouais. Par mes masses plus grosses. C'est le problème. Il y a un autre problème, tu vois. C'est la charrue, c'est... je crois qu'elle déconne des fois. Non, non, c'est bon. Je vais les calmer, moi. Ah ouais, carrément, quand même. Tu vas la calmer. Là, moi, j'arrive à fond de balle dans le chemin de terre, ça sent mauvais au pont, quoi. Waouh. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Fred, je suis arrivé à fond de cale. Et tu t'es planté? Non, limite quoi. J'ai freiné quoi. Après, faut être con aussi d'arriver vite au pont. Bah, j'ai pas le temps, moi je travaille. Hein, mais j'ai ça dans le sang, moi. Oh là là. Celle-là, Jeannot, j'aurais pu te la deviner. De quoi? Qu'il a pas le temps, qu'il travaille? Ouais, qu'il la sortirait. Ah ouais. Moi, j'ai tiens, pas ah, tiens, j'y vais. J'ai une idée là. On va aller sur Colbourouk après, si tu vois ce que je veux dire. Non. Mais si, tu vois très bien ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Jeannot, patates, récoltées. Ouais, c'est ça. Bah alors là, je vous l'ai dit, je vous les fous dans le cul, les patates. Je redescends. Ouais, bah ça j'attends. Non, les patates, on va pas les récolter encore. On avait semé, je crois qu'on avait semé du maïs et tout, Franck dessus. Hein. Il me semble hein, qu'on avait mis du maïs, la race et moi, tout. Moi perso, je sais pas si j'ai semé du maïs dessus. Et t'étais avec nous, je crois, quand on a semé aussi. J'étais avec, peut-être. Ah ouais, t'étais avec, je crois que tu déchaumais un truc du genre. Ou tu moissonnais, ou t'essayais de monter par-dessus les barrières avec la moissonneuse, ça se peut aussi. Et on avait tout préparé aussi sur celle-là. Ah ouais, cette carte-là, je l'aime bien perso. Quoi, Colboro? Ouais. Oh, je suis pas fan, non. Ouais, moi c'est un peu limite aussi. Hein. Je sais pas, j'aime bien. Hein. J'aime bien comme elle est vallonnée. C'est pas trop mon style. Il y a trop de verre. Et c'est des verres vides en plus. Ouais. Allez, vas-y, la bourre l'eau de champ maintenant. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et je la sentais celle-là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le problème? Attends, tu vas voir, après moi je rentre et tout, je dis écoute ça et ça c'est fait, putain le patron, tu vas voir la prime, tu vois. T'auras que dalle, ouais. Ouais. De toute façon, avoir une prime pour quoi faire? Pour la dépenser en l'alcool? Non. Dans le tabac? Non. Dans une femme? Non, dans le TRC. Dans le TRC. Ça c'est fait. Et je crois que je suis en création de champ. Tu rigoles, attends, il y a la moitié des mecs de là où je bosse sur la ligne. Ils sont tous tout le temps à parier en ligne sur les matchs de foot tous les soirs.
Mais il y en a, ils parient jusqu'à 1000 euros, tu vois. Oh putain. Mais ils sont sortis. Tous les soirs, il paume, le lendemain, il remet un ticket à 1000 euros, tu vois. Ouais, mais attends, ça paye chez Peugeot. Non, mais non, non. Je pense pas que ça paye aussi bien que non, ça, ma femme. Non, ça paye pas, mec, hein, tu peux oublier. Bah non, je peux, je paye. Si, si. Je veux dire, j'y suis, ça paye pas. J'ai acheté un nouveau PC. Ouais, et au bout de 3 mois quoi. Ouais. Quand au même. Bout de 3 mois, ça fait combien de temps que tu te farcis celui-là? Celui-là, 7 ans. Ah voilà. Ouais, tu m'étonnes qu'il commence un peu à être au bout de la chose. Il est tout neuf. Je dis, le seul, j'ai acheté en. C'est un truc de grande surface à l'époque, à 300 boules, tu vois. C'est limite les trucs qui sont faits juste pour aller sur, sur internet. Il y avait Vista dedans, tu vois. Et je faisais rien avec Vista, je mettais un jeu, mais n'importe lequel. De toute façon, ça marchait pas, tu vois. Alors, un pote, il me l'a craqué, il m'a mis XP au début, tu vois. Ça marche encore un temps, et après, il m'a mis le 7, tu vois. Ouais, là, ça marche mieux. Et le seul truc d'autre qui a cramé, c'était la, bon, la carte graphique et la GC1480, tu vois. Ouais. T'as jamais l'alimentation qui a cramé? Ouais. Ah, parce qu'en général, sur les PC, et pour dire comme ça, mon... c'est les alimes qui crament. Et pour dire, depuis que j'ai mon PC, il tourne quasiment H24. Bah, avec le Core P, il tourne H24. Hein. Non, mais sans ça, c'est... je l'éteins jamais, moi. Quand le PC s'éteint, c'est qu'il s'éteint tout seul, qu'il doit faire une mise à jour, et basta. T'es. C'est pas moi qui l'éteins. T'es. Ah, moi, je suis pareil, hein. J'éteins quasiment. Et tout le temps, il tourne tout le temps, tu vois, ça fait 7 ans, il tourne tout le temps, tout le temps. Moi c'est pareil, je l'éteins quasiment jamais l'ordi. Et je te vois Franck. Bah faut dire que moi j'ai pas le temps de l'arrêter en fait. Ouais, je redescends de l'autre côté. Parce que quand tu fais un montage sur Far Cry d'une vidéo d'une heure en, tout droit, toi. En 1080p 60 fps et que le montage il dure 4h, 4h30, ben bah, tu dois pas le temps de l'arrêter. Ouais. Hein. Mais Jeannot, j'ai entendu dans une de tes vidéos tu t'es mis un peu à Vegas là. Ouais. Alors tu t'en sors un peu? Ça va, tu l'as pour une main droit. Tu vois, c'est pas compliqué, franchement. Hein. Bah, tu peux tirer tout droit, hein. Moi je fais le coin. Là. Tu fais vidéo en 30 images secondes ou 60? Bah, pour l'instant, je fais pas mes montages vidéo avec ça. Je m'entraîne avec des photos, tout ça, à faire des effets. Ouais, ça. T'es un malin, Franck. Quoi? T'es vu? Quoi, tu m'as vu? J'ai vu. Vu quoi? Je t'ai vu, ouais. Je t'ai grillé. Tu fais quoi, Axia? Je t'ai grillé. Je t'ai grillé, mon gars. Je t'ai grillé. En qu'est-ce flag, qu'il a fait, mon gars? Je sais pas ce qu'il a. Ouais. Ah non, mais attends, le mec. Quoi? C'est un laser. Ça va moins droit d'un coup. Hein. Non? Quoi? Je sais pas. Ça qu'il... va les gars, ouais. Je sais pas, ça, il a un problème. Ouais, ouais, il y a un problème. Ouais. Ah ouais, tu veux que je le cite le problème? Ouais, mais moi je le vois très bien le problème. Non, mais attends. Y a que moi qui le vois pas, quoi. Ah si, je le vois le problème maintenant. Mais c'est quoi le problème? C'est l'ouvrier. Bah attends, il tire en travers mon tracteur, qu'est-ce que je fasse? Bah tu changes de tracteur. Non, c'est un charrue déporté là. Bah regarde, moi je suis pas emmerdé. Bah moi je suis emmerdé, mais ma camasse. En fait, je suis constamment appuyé sur le bouton gauche, tu vois, pour qu'il tire tout droit. Mais le tracteur est travers. Ouais, ça c'est clair. Mais moi ça me faisait aussi ça, avec cette charrue là. Ça dépend, si tu prends mon 8000 que j'ai là, ça va tout droit, t'as pas de problème. Ouais, je pense que ça va être allé. Ouais. Ouais, ça me fait chier, mais là, d'aller changer le tracteur. T'as qu'à venir au 31 et je te file le mien. Mais t'as vu le film, il va bien. Ouais, franchement, ouais, mais je te dis, tu viens dans celui-là, t'essayes, tu vois, que tu pars direct au crabe. Mon mien, c'est lequel, Fun que t'as, quoi? Fun 236. Donne. Tiens, prends. Ah putain. Ah putain. Bah essaye le mien.
Mais putain, pourquoi il veut pas? Bah ça, je peux pas te le dire. Pourquoi il veut pas baisser la charrue? Voilà. Bah tiens, ça va, toi. Bah le tien aussi. Moi, je te promets avant là-bas, mais je te dis, j'ai fait toute la montée en câble. J'ai fait toute la montée en câble là-bas. Hein? Parce qu'il le prend au plat, non? Non, mais même... Ah, si, je dis dans l'autre, j'ai fait toute la montée, je tiens en crabe. Ouais, je confirme, il tient. Ça y est, il vient me le faire, là. Et il me le fait encore. Tu vois, c'est pas Franck qui devient complètement cinglé. Non, sérieux, c'est pas tout machin, mais il est inconduisible, bordel. Pas en sucette. Ouais. Ça y est, peut-être de la carte, hein. Moi je sais que la charrue elle me le fait sur cette carte, sur un peu toutes les cartes que je joue ça me le fait. C'est parce qu'il y a un soc déporté, c'est ça? Ouais, il y a un soc déporté. Hop. Bon bah écoutez, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là parce que je crois que mon disque dur va être plein. Waouh, Fatami. Donc j'ai pas envie que ça me foire la capture. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde.